Il est 19h, merci de nous rejoindre. Voici les titres qui seront développés dans cette édition régionale. Enfin, notre grand format va ce soir s'intéresser aux parfums. Une entreprise qui travaille avec les grandes marques de cosmétiques nous a ouvert ses portes à Halo. Intéressé aux parfums et pour cela une entreprise nous a ouvert ses portes. Il s'agit de la société technique Auflore. Peu connue du grand public, cette PME s'est spécialisée dans la création de parfums pour les grandes marques de cosmétiques et elle réalise près de 70% de son chiffre d'affaires à l'international. Reportage est signé Sophia Carias et Pauline Guigou. Lorsque l'on pense aux parfums, on cite toujours la ville de Grasse. Les parfums, je suppose que c'est à Grasse, non? C'est ça? Grasse. Là où il y a le plus de parfumeurs, c'est où? Oh, ben à Grasse. Pourtant, depuis 1982, à Halo, juste à côté de Marseille, dans l'ombre des grands groupes de cosmétiques, existe une entreprise qui fabrique du parfum. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Florence. Vous êtes ce que l'on appelle un parfumeur. Certains diront un nez. Je sais que l'expression ne vous plaît pas forcément. Expliquez-moi un peu votre métier. Alors, c'est vrai que le vrai nom, c'est parfumeur. Dans le monde habituel, on dit un nez parce que c'est ce que tous les gens connaissent. Mais c'est vrai que personnellement, j'aime pas forcément être réduit à un organe qui est mon nez. Moi, c'est une vocation. Je veux faire ça depuis que je suis gamin. Je me souviens ma mère qui était déjà prête pour aller travailler et nous réveillait le plus tard possible parce que ma grand-mère, c'était la gardienne de mon école primaire. Et j'étais toujours réveillée avant pour sentir le parfum qu'elle allait mettre. Mon métier, c'est d'imaginer des parfums et de les créer. C'est-à-dire que des clients vont nous contacter et vont nous donner un cahier des charges avec différentes idées. Et mon travail, ça va être de retranscrire leurs idées en odeur. Dans cette entreprise, on invente les compositions aromatiques et on les produit aussi. Maxime Grandsart, bonjour, vous êtes le directeur général adjoint de cette entreprise. On va aller juste là, mais je crois qu'il faut s'équiper, c'est ça? Il faut juste mettre une petite charlotte. Alors, c'est pas très esthétique, mais... Non, mais c'est pour les codes de bonne conduite de la cosmétique. Alors là, c'est la production, c'est ça? Là, c'est la production. Une machine. Là, c'est un automate qui nous permet de peser environ 80% des formules. Les bidons sont là, vont être chargés sur le rail, vont partir sur la gauche, rentrer dans la machine, être pris en charge par l'automate. L'automate va le déplacer à l'intérieur de la machine. Et vous avez ici tous les produits qui sont reliés par des tubes et qui vont remplir le bidon à la goutte près. Dans son bureau, Pierre Florès veut nous faire sentir une nouvelle matière première, le bois de oud. Alors, je vous invite à sentir de loin d'abord. Sentir de loin, c'est-à-dire... On sent de loin et on rapproche peu à peu parce que c'est une matière première qui est très puissante. Alors moi, je trouve ça assez dingue. C'est très animal. Ça sent le cuir. Oui, maintenant, ça sent le cuir. Ça sent un peu la cagette aussi. Une odeur de cave. Vous voyez l'humidité des pierres humides. Ça y est, oui. Parce que vous me le dites. Voilà, c'est le genre de parfum, de matière première en tout cas, que j'ai appris à affectionner, à aimer. Parce que au début, quand on sent ça, on se dit « Ouh !» En apprenant, en fait, on apprend à aimer les choses. C'est que dans notre métier, il n'y a pas de mauvaises odeurs. Même les mauvaises odeurs qu'on utilise, on peut trouver un intérêt spécifique à celles-ci. Et c'est ça qui est chouette.